reborn. Chaos reborn. Ha! Wow! Bonjour reborn. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo différente. Quelque chose qui m'a vraiment étonné, que j'aimerais partager avec vous et vous donner des conseils à la fin. Soyez prêts. Vraiment, vous ne devinerez pas. Vous ne devinerez vraiment pas ce qu'il va se passer ici. Celui qui devine ça, je te salue, te laisse un like. Écris ton commentaire pour dire, oh, j'avais deviné. Là, il veut dire ça, peut-être laisse ton like. Tu as 3 secondes pour ça. Parce que, wouh, ce que nous allons voir maintenant, ça vous réveille. Wow, venez. Venez voir. Regardez ça. Wouh. Vous voyez ça? Quelle magnifique fille. Elle est vraiment très belle. Elle est à l'image de la femme. Elle est la beauté incarnée. N'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Qui va me dire que la fille n'est pas belle? Qui va me dire que cette fille n'est pas jolie? Elle est très très jolie. Mais il y a toujours un mais quelque part. Le mais, elle est jolie, mais elle nous cache quelque chose. Une très grande surprise. Quand vous allez découvrir ça, hey, vous risquez d'être surpris. En tout cas, ce gars qui est ici, il a été surpris par ce qu'il a vu. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Soyez prêts. Regardez très très bien. Comme vous pouvez le voir, apparemment, celui-là était... cet homme qu'elle a, est celui-là même, qui va lui faire son nouveau tatouage. Vous voyez, c'est le tatoueur. Comme d'habitude, elle arrive, elle se fait tatouer et elle part. Et aujourd'hui, elle est venue avec ses amis pour se faire un nouveau tatouage. Et ses amis sont derrière, en train d'observer la scène. Quand? Boum! Vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Ce qui va se passer ici à Gagnon, hein? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu ça? Regardez! Hein? Quelque chose a explosé ici! Jusqu'à ce que je dis, hey! Mais qu'est-ce qui a explosé au juste? Mais vous n'en avez rien. Bon, regardez ça vous-même. Une, deux. Ouais. Les filles d'aujourd'hui, vous êtes trop fortes. Vous êtes trop fortes. Hein? C'est à cause de vous là. C'était pasteur. Nous demande de voir clair dans la sauce là d'abord avant de marier. Mais est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Avec ça? Vous voulez nous blaguer? Avec ça? Avec ça là? Il dit, avec ça? Non, on fait comment? Tu connaissais pas que c'est pimpé? Et tout d'un coup, regarde, ça explose devant nous. Hein? En ce moment-là, quand le mariage est déjà fait, et qu'on découvre, que c'est pimpé, que ça a explosé, qu'est-ce qu'on fait? On commence à pleurer. Seigneur Jésus. Les filles d'aujourd'hui, vous êtes de plus en plus artificielles. Tout est artificiel aujourd'hui. Tellement on veut être belle. Même plus belle que belle. Waouh!
C'est vraiment surprenant. Regardez vous-même. Regardez. Bien, est-ce que la fille elle a fait exprès ou elle a mis juste de gros ballons sur sa poitrine juste pour effrayer le gars, juste pour le pranker ou bien juste pour faire une vidéo, pour faire le buzz? C'est possible, mais je suis sûr, c'est qu'il y a beaucoup de filles dehors avec des pimpins sur la poitrine. Et bien oui, des pimpins plus durs, un caoutchouc plus dur. Au point où quand vous touchez, vous avez l'impression que c'est votre visage que vous venez toucher. Tellement il y a du béton à l'intérieur. C'est comme des... C'est comme des vrais ballons. Ça, c'est pas moi qui ai dit, il n'y a pas touché ça. Hein? C'est un ami qui m'a dit ça. Il dit, mais what? Il dit, oui, détrompe-toi. C'est du béton. Attends, donc tu vois les filles très belles. Avec un corps magnifique, des rondeurs pas possible, et tu découvres que c'est de la plaque. Et elle aussi. Quand vous leur posez cette question, ça va, mais est-ce que tu es naturel ou bien tu es fake? Elles disent non, je suis 100% naturel. Je suis la nature incarnée. Je suis la beauté naturelle. Elle s'est changé la couleur de sa peau. Elle va dire non. La couleur de ma peau n'a jamais changé. Tel que je suis né, c'est comme ça que je suis. Hein? Alors que quand vous découvrez la réalité par vous-même, vous dites, mais ah, mais ma chérie, tu m'as trompé. C'est pas ce que on s'était dit. Non, 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 c'est pas ce que tu m'as dit. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu trompé? C'est comme un gars, lui, il est blanc. Et il épouse une fille qui est claire. La voix sort. Après, elle a dit, quand elle a fini de bouger, elle est tombée enceinte, la voix est sortie. La voix qui sort est noire. La voix qui sort est noire. Et il a une peau plus noire même que noire. Le blanc dit, comment c'est possible? Quand même. C'est pas possible. C'est clair, non? Moi, c'est déjà blanc. Qu'est-ce que ça? Comment tu me dis que l'enfant a sorti noir comme ça? Ma chérie, c'est pas mon enfant, tu m'as trompé. Ma chérie, c'est pas mon enfant, tu m'as trompé. Elle dit non, je ne t'ai pas trompé. C'est ton enfant, pardon. Si tu vas le faire test d'ADN pour voir. Le monsieur dit, il n'y a plus de test d'ADN à faire. L'enfant est noir, toi tu es clair, c'est comment? Mais puisque tu insistes, si ça peut t'arranger, allons faire test d'ADN pour voir si c'est mon enfant. Les gens font faire test ADN. Le résultat sort. C'est son enfant. Il dit, mais what? Comment? Comment c'est possible? Je ne peux pas croire. Hein? C'est là qu'il va aller chercher maintenant à savoir. Il va maintenant savoir si cette fille-là, elle avait été noire ou bien. Parce que lui s'attendait à avoir un enfant très beau avec la couleur de sa peau. Au pire des cas, la couleur de la peau de sa maman. Mais regardez ce qui est arrivé. Au point où il dit que, ah, elle m'a trompé. C'est pas mon enfant. Vraiment, les femmes. Les femmes, les filles d'aujourd'hui. Les sorcières, là, quand elles viennent m'attaquer, elles se démaquillent. Pendant que ça arrive, elles arrivent devant moi, maquillage, ça va jouer. Les sorcières, quand elles viennent m'attaquer, elles enlèvent leurs perruques. Elles viennent avec leurs cheveux bizarres, bizarres. Leurs cheveux genre matés, là, quoi. Parce que ça, que si elles viennent avec ça va échouer. Moi, je ne suis pas dans blablabla. Hein. Je ne suis pas venu, ça t'aime m'amuser. Soit tu es naturel ou soit tu n'es pas naturel. Moi, regardez mes dents. Balais, balais, kaya, kaya. Certaines personnes disent, va changer toutes tes dents pour avoir les dents en or ou bien pour avoir les dents bien rangées. Je dis, vous êtes des ouf. Pas de votre tête.
Moi, je vais aller chercher les dents que Dieu m'a donné par rapport à quoi? Est-ce que je sais pourquoi Dieu a penché une dent ici? Est-ce que je sais pourquoi Dieu a penché l'autre dent? Moi, je vais aller changer quoi? Pour montrer quoi à qui? Pour montrer quoi à qui? Avec beaucoup de sorciers qu'il y a là dehors. Moi, je vais aller prouver quoi à qui? Et puis, prenez un risque si énorme. Certaines personnes disent, ah, c'est pour me sentir bien dans ma peau. C'est pour me sentir bien dans ma peau. Donc, si je me tchatcho, si je me dépigmente, ça va. Ah. Pour que tu t'es dépigmenté là. Pourquoi quand tu te demandes si toi c'est ta peau naturelle ou bien c'est artificiel, tu mens. Elles sont là, se sont fait changer les fesses. Et les seins, quand vous répondez à quelqu'un, hey, fesses là, elles sont là, c'est naturel ou bien c'est fabriqué. Elles mentent. Elles vont mentir. Du début jusqu'à la fin, elles mentent. Oh, elles mentent. Elles mentent. Oh, elles mentent. Elles mentent. Elles mentent. Ah, elle dit ta vérité un jour. Quel chat. Quel chat. Mais un jour, elle finit par vous attraper. C'est avec les faux cheveux que vous nous blaguez là. C'est avec les faux cheveux que vous nous blaguez. Maintenant, regardez ce qui arrive. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo, c'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, de commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bande, dans la description, c'est tout bien lié. Où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouvent nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Ajoutation sur Bonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.